Précédemment dans Le Vigile. Je suis à l'intérieur, je suis avec mon cousin là. Si quelqu'un me cherche, tu dis que je suis pas là. Écoutez, madame, vous faites quoi avec le peignoir de vos cheveux? Hein, papa? C'est la magie, hein? Tu te prends pour qui? Pour surveiller ce qu'on porte dans ma maison. Comme tu es entré ici, c'est pour travailler. Moindre erreur, je te mets à la porte. Ouais, madame. Anyanga belle, mais je mange la viande du mouton. Ça sent le mounyenge dans le monami moussolé. Tu vois, c'est bien passé. Non, Yokon, la conférence était renvoyée, donc du coup, j'ai pu voyager. Madame, elle est rentrée. Elle est venue avec ses cousins là. Elle m'a attaché avec du peignoir celui, je ne comprends pas. Un cousin qui a porté mon peignoir? Je vous jure, patron. Mais c'est encore qui ça? Je ne sais pas, il est là-haut là. Angela! Angela! Cœur à moi. Oh là là, C'est comment t'as pu voyager? Non, la conférence a été reportée. Donc, du coup, j'ai pu voyager. Ah. Mais dis-moi, chérie, Nyokon m'a dit tout à l'heure que tu étais avec un cousin qui portait mon peignoir. Pardon? Nyokon m'a dit que tu étais avec un cousin qui portait mon peignoir. Même pas ça. Non, attends, viens. Pourquoi tu es comme ça? Non, du tout. Laisse-moi t'expliquer. Tu vas regarder quoi? Tu es sûr qu'il n'y a personne ici? Il n'y a personne ici, je suis seule. Oh, laisse-moi vérifier. On va la chambre là-bas. Parce que tu écoutes, Nyonkol, moi je suis ta femme. Je suis ta femme ici là, mais tu écoutes le vigile. Ok, merci pour la confiance que tu me fais. Non, bébé, excuse-moi. Tu sais, Nyokon là, ça te ne tient pas bien. Nyokon! Nyokon! Viens ici! Bébé, tu appelles encore pourquoi? Il doit s'expliquer. Nyokon! Viens ici vite! Oui, patron. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Qu'il y a un cousin qui a porté mon peignoir. Patron, il était assis ici, il voyait la télé là-bas. Il m'a même envoyé faire le transfert, n'est-ce pas, madame? Il est donc, n'est-ce pas quoi? Tu es venu ici pour travailler, pas pour me surveiller ou surveiller les gens qui sont ici là. Madame, est-ce que je surveille? On a surveillé la maison, il n'y avait personne. Sache que cette fin du mois te coupe 20 000 francs. Ouais, patron. Comme on s'arrête là-bas, combien? Vous coupez 20 000. Si tu continues à persister, j'en manque encore. Ça va. Allez, dégage! Sors! Oh bébé mon père, excuse-moi chérie. Non, je n'aime pas. Non, je sais bébé. C'est ce fou de Nyankon, de Nyankon qui me met en erreur bébé. Regarde, il me fait... Attends, il te met en erreur alors que moi je suis ta femme. Je suis ta femme. Bébé, je suis désolé. Bro. Tout va là non? À cause de toi, on va couper 20 000 non? Tu vas voir, il m'a appelé le patron. Non, bro, attends. Regarde. Mais c'est ton bro, hein. Ça peut s'arriver. Oui, tu es mon bro. Regarde. Attends mon pantalon. Dans la prochaine, il y a 50 000 francs. C'est pour toi. Hein? 50 000 francs. Bon, tu veux que je fasse comment? Regarde. Prends les chiens, tu me donnes pas. Tu donnes les chiens, tu ne les occupes pas. Ok. Ok, tu donnes les chiens. Prochainement, tu vas voir ce que tu as fait là. Oui, bon. Oui, pardon.
Donne l'échelle. Je suis. J'arrive. Ne bouge pas, hein. Ok. Pour me faire pardonner, je vais t'offrir une voiture Proximo Love 2 tonnes. Ah bon? Ok, oui, mon petit cœur. Tu sais que j'ai mon amour, non? Oh là là, je t'aime. Oh là là, mon petit. Encore toi? Il y a quoi, il y a quoi? Il y a quoi? Mais c'est qui là-bas? Mon ami, ne bouge pas! Attends-moi, ne bouge pas! Je ne mens, ne bouge pas! C'est toujours le bijou qui lave le sien. Le même bijou fait le marché. C'est toujours le bijou qui fait la vaisselle. Il est venu faire la zone. Maintenant dans la maison, le voici embrouillé. La matonne a son sugada. D'ici le boss est au courant, il sera renvoyé. Il est malé. Maintenant les problèmes sont sur la fin de tuer. Il veut bien démissionner, mais il y a les enfants à la maison qu'il faut nourrir. Vraiment c'est compliqué, mais il n'a pas le choix, oui, que d'assumer. C'est les plaies du mollet.